Cette année, le 99e salon de l'auto est partout près de chez vous. Des chefs d'entreprise, le monde politique et des personnalités répondent aux questions sur la mobilité, l'utilisation de leurs véhicules et l'impact sur le climat posé par des jeunes de la nouvelle génération qui ne mâchent pas leurs mots. Aujourd'hui, nous invitons dans notre studio... L'écologie, c'est un critère que vous prenez en compte lors de l'achat de votre nouveau véhicule ? J'ai pas trop le choix, hein. Il vaut mieux en ce moment faire attention à l'écologie, c'est vrai. Mais très honnêtement, moi c'est surtout la sécurité qui prime. Avant l'écologie, je devrais pas le dire, mais je le dis quand même. Voilà. Avec quel moyen de transport vous déplacez-vous ? Essentiellement voiture, voilà. J'ai un vélo aussi, mais la météo ne s'y prête pas toujours. Mais essentiellement la voiture, il faudrait peut-être penser à améliorer les transports en commun, parce que c'est vraiment pas ça. Pourquoi certaines vieilles voitures ne sont plus autorisées à rentrer dans Bruxelles alors qu'elles fonctionnent encore très bien ? Ah bah on y revient, c'est pour l'écologie, c'est pour éviter des taux de pollution trop élevés, ce qui est assez problématique parce que certains ne savent pas racheter une nouvelle voiture, et puis il y a les ancêtres aussi, on peut passer à un autre débat parce que c'est une autre catégorie. C'est compliqué en fait, rester ado le plus longtemps possible et enfant, vous verrez, vous aurez beaucoup moins d'ennuis à part l'école. Combien vous avez de voitures chez vous ? Combien de voitures ? Des vraies voitures, hein, pas des jouets. Donc des vraies voitures, il y en a deux. Mon mari et moi avons chacun notre voiture, voilà. Et la mienne est beaucoup plus sale que la sienne. Pourquoi les politiques n'aiment pas la voiture ? Non, attendez. Vous devez comprendre quelque chose. Les politiciens disent qu'ils n'aiment pas les voitures. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de dire qu'ils ne veulent pas ou moins de voitures. Mais j'en connais qui aiment beaucoup les voitures. Des noms ? Ah non, ça je... Non, ça je peux pas.